La famille royale était réunie en ce dimanche 9 avril pour assister à la messe de Pâques qui s'est déroulée à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Pour l'occasion, ils étaient tous sur leur 31. Ce dimanche 9 avril, la famille royale s'est réunie pour la messe de Pâques qui s'est déroulée à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Le roi Charles III et la reine consort Camilla étaient en tête de cortège. Le prince William, la princesse Kate Middleton et leurs enfants étaient aussi présents pour assister à la messe du dimanche pascal. Ceci est d'ailleurs la première fois que le prince Louis y assiste. Le 25 avril prochain, le petit garçon fêtera ses 5 ans et s'il n'était pas présent les années précédentes, si est évidemment à cause de son jeune âge. Et tout comme ses parents ainsi que son frère George et sa sœur Charlotte, le petit garçon était sur son 31 dans un costume short de couleur bleue. La quasi-totalité de la famille royale portait cette couleur qui représente Dieu dans le ciel dans la tradition chrétienne. Du beau monde présent à la messe de Pâques, le roi Charles III, la reine consort Camilla, le prince William, la princesse Kate Middleton et leurs enfants n'étaient pas les seuls présents pour la messe du dimanche pascal. D'autres membres de la famille royale se sont joints à eux. Si est-il le cas de Zara Tyndall et son époux Mike Tyndall, de la princesse Béatrice d'York, d'Eduardo Mappelli-Mozzi ou encore de la princesse Eugénie et son époux Jack Brooksbank qui attendent leur deuxième enfant. Prochain rendez-vous pour la famille royale dans un mois. Le 6 mai prochain, toute la famille royale sera de nouveau réunie pour un événement très attendu par les Britanniques, le couronnement du roi Charles III. Et si tous les regards seront tournés vers le fils de la défunte reine Elisabeth II, ils le seront également vers le prince Harry. En froid avec son entourage depuis un bon moment, il n'est pas sûr qu'il soit présent pour le couronnement de son père. Dans le cas où il serait absent, ça devrait rendre les tensions entre le prince Harry et son frère encore un peu plus tendues qu'elles ne le sont déjà. À lire aussi Couronnement de Charles III, ce nouveau titre surprenant de Camilla, révélé pour l'événement article écrit avec la collaboration de 6 médias.